Donc ici en fait on est dans une villa émirati, elles sont données ici aux familles. D'abord ce qu'il vient de nous expliquer un peu juste avant, c'est que quand un émirati se marie ici à Dubaï, en fait on lui donne un terrain. Alors pas une maison entière, pas une villa entière, mais un terrain. Et dès qu'il a 3 enfants, il peut demander à ce qu'on lui construise une maison aussi grande que ça. Bon après forcément ceux qui étaient là depuis des années, eh ben, ils ont des meilleures maisons, c'est sûr, ils ont des terrains plus grands, plus proches de Dubaï. Mais en tout cas, ça reste quand même assez incroyable de commencer dans la vie avec une villa. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir un iGrab café et on va voir comment sont vendus en fait ces produits là dans les iGrab, justement pour que ce soit diffusé un peu partout dans les Émirats et pour que ce soit vendu. Je suis fatigué, mais on va essayer quand même de vous expliquer. Alors ici, vous avez en fait des frigos, des réfrigérateurs en fait qui sont disposés à chaque famille, avec le nom de chaque famille. Et des fois leur Instagram s'ils le veulent, et ils vont pouvoir vendre en fait en temps réel leurs gâteaux dans ces boutiques-là. Donc vous voyez dans la boutique il y a tout. Il y a une caissière, il y a des cafés pour ceux qui veulent venir prendre une consommation. Et derrière, chaque fois que quelqu'un va faire une vente, par exemple si cette famille-là fait une vente, elles vont recevoir directement par texto, dès que le produit va être payé, une notification qui leur dit voilà, vous avez vendu une pâtisserie. Vous en avez vendu 2, vous en avez vendu 10. Et comme ça, tu sais en temps réel si ton gâteau marche ou ton gâteau ne marche pas. Et c'est ce concept-là, il cartonne. Pour bien réexpliquer, alors il y a une famille qui a fait des petits gâteaux à base d'amandes et de chocolat. Et en fait, ils viennent directement chez iGrab. Chez iGrab, on va leur proposer plein de petits packaging différents. Et après, on va choisir le meilleur packaging pour pouvoir mettre en avant cette pâtisserie-là. Et donc, en fait, quand tu sais que cuisiner, et ben en fait, t'as besoin de te préoccuper de rien parce que derrière tout ce qui va être la mise en avant, la mise en valeur de ton produit, tout ça, c'est le iGrab qui te le propose. Par exemple, ici, des tiramisu. Une famille qui propose de faire que des tiramisu. Et ça marche bien parce qu'ils ont ils ont réservé des frigos dans plusieurs iGrab parce que le tiramisu ça part super facilement. Ici on a des chocolats, ici on a des pâtisseries un peu plus élaborées. Toujours pareil, le packaging proposé par iGrab. Yes, I know what you want. You want to bring me a lot of sugar in my food. I know what you want. Donc après on est sur des prix un peu élevés parce qu'on est sur des pâtisseries fines, forcément c'est artisanal et donc ça permet aux familles de vendre ça très cher. Chose très importante, ça permet aussi d'avoir accès aux applications. À partir du moment où vous avez des applications dans la zone, genre type Uber Eats, Deliveroo, ici t'as la base sur Dubaï, et ben ça permet justement à des gens de commander directement et d'avoir en fait toute l'offre de produits cuisinés par des mamans. J'ai rencontré à Londres un chef qui s'appelle Eston Blumenthal qui est super connu à Londres. Il m'a fait une expérience en faisant goûter du vin. Juste avant que je goûte, il me dit « Regarde ce mot ». C'était un mot inventé qui n'existe pas, écrit dans une police très dure. Tu vois, très avec beaucoup de piques, comme tu écris ACDC par exemple. Donc, je goûte le vin, tu vois. Là, il me dit « Ok, maintenant regarde ce mot ». C'était le même mot inventé, mais avec une police très ronde, un peu comme tu écrirais bisounours. Je peux te jurer, le vin, c'était le même vin dans le même verre, le goût était complètement différent. On se rend pas compte, mais on est bien. Avoir en fait le logo. Exactement, donc en fait, il m'a expliqué que là, son logo, il était un peu, il était pas mal, mais il a voulu l'améliorer, et du coup, il l'a rendu un peu plus rond, tu vois. Et donc, je vais parler de ça, parce que c'est intéressant, tu vois, qu'il y a un grand chef étoilé qui fais aussi attention à ce genre de détails pour améliorer le goût de son truc. Et il m'a dit, Eston Blumenthal, beaucoup de chefs normaux font l'erreur de se focaliser uniquement ce qu'il y a dans l'assiette. Il dit c'est bien, mais tout le reste c'est super important. Toute la perception, le packaging et tout ça, ici on a vraiment quelque chose. On sent qu'il a un bon sens de ce qu'il fait. Alors, même si le iGrab vend des produits des familles émiratis, ça n'empêche pas de proposer des fois ses propres produits à lui, qui permet aussi d'augmenter son chiffre d'affaires. L'argent qui est dégagé par ces familles-là sur chaque frigo, l'argent va totalement, enfin je crois qu'il y a un prix de location pour chaque frigo, et l'argent va totalement aux familles. Donc voilà ce qui c'est des dingues. It's not so easy for your competitors to replicate this, no? No, for example, this company or this family can come here and come to the others too, competitors. Yeah, it's okay. So it depends on us. If we can give them kind of an offers
So they can only see here, don't go there. That one also exclusivity, that one from Saudi. Okay. This one Kuwait, that one from Saudi. So we have exclusivity. So nobody can take from computer. Ici, c'est une table de test où en fait on met les pâtisseries de ceux qui veulent intégrer les frigos et vendre leurs produits. Et si les produits sont bons et bien aimés, en fait on leur fait un packaging et on les met dans ces frigos-là. Donc voilà, c'est sympa. Je vais goûter là, je vais voir si le challenger il est bon. I hope you like it. Ce qui est bien ici, c'est que c'est vraiment un endroit convivial. T'as toutes les familles qui viennent. You understand the French? Yes, of course. Oui, oui. Et toutes les familles vont leurs produits et viennent chercher les produits des autres familles. C'est dingue et c'est oui, incroyable. Oui. Et ça carte. Au-delà d'être un conseil, c'est aussi un vrai café. Là, vous pouvez prendre des cappuccinos. Donc un exemple très simple, ce qu'on a mangé tout à l'heure, l'insuline, bah, par exemple, c'est proposé comme ça, dans des petites boxes, de cette taille-là. Voilà, c'est pas l'insuline, c'est un autre produit. Ça fait que les étudiants dans les Émiratis viennent dans ce café, se prendre un petit gâteau à la fin des cours, et ça peut augmenter les ventes. Et quand tu sais que c'est vendu par des familles, bah, ça fait plaisir, et c'est un concept qui, je suis sûr, cartonne en envie. Je sais pas si vous avez vu, mais chaque café frigo donc, est dédié à une famille, et chaque famille a son propre Instagram, son propre numéro WhatsApp, où on peut les contacter directement. Donc ça aussi, c'est super malin, chacun a son compte Instagram, vous pouvez aller les voir d'ailleurs, c'est super cool. Alors ça, c'est, je vais te prendre vite fait. Alors ça en fait c'est un sort de, comment tu dis, un jus, non? Un jus, on dirait quoi? Un smoothie au gâteau. Ça s'appelle Hambara. Hambara. Et bah, ça cartonne parce que tout le monde aime bien ça. Et en fait c'est comme il disait, c'est, on a l'impression de boire un gâteau. Mais non, c'est super bon. C'est super bon. Là, je vais poser la question à Fahad pour lui expliquer. En fait, il a un Instagram. Et sur son Instagram, il a énormément de partages des pâtisseries et des gâteaux. Et en fait, je voulais juste savoir si c'était fait de façon spontanée. What's your name? What's the name for YouTube? Supernova. Supernova. You know Supernova? Follow Supernova. Follow, c'est une nouvelle. Moi, je voulais juste savoir si c'était quelque chose fait de façon naturelle ou quelque chose fait de façon artificielle. How you do for get a lot of pictures okay. In Instagram like that? It's taken by customers. Customers come and take videos, take pictures. They put in their own and they mention iCraft. So when they mention iCraft, I'm reposting for them. Okay. I let the family themselves put price. I don't put price. Why? Because each family knows what kind of ingredient they put. Donc là, en fait, ce qu'on va vous proposer, et nous, si on l'a fait avec Rise et Supernova, de pouvoir, en fait, cuisiner depuis la France et de pouvoir être vendu partout ici aux Émirats. Et je vais laisser Fahad en parler. Hello guys, my name is Fahad Al-Shehi from Dubai, UAE. If you will participate in the challenge and you think you have an amazing creative cooking skill in your home, participate in this challenge. And who will win in this challenge? We will sell this product all over iGrab branches or iGrab cafe branches in the whole UAE. 6 branches, we will sell your winning product. Alors ce qui est sympa avec ce business, c'est que même si tu connais rien en business, mais que tu sais bien cuisiner et que tu fais de bons gâteaux, et ben tu pourras les vendre ici très facilement parce que le packaging, tout ce qui va être la fixation du prix, tout ça, iGrab en fait ça va s'occuper de tout. C'est-à-dire que ta mère qui sait juste bien cuisiner, qui fait juste un bon gâteau, elle vient, elle pose ses gâteaux à Paris et vont être vendus dans tous les Émirats. C'est quelque chose de dingue et on va essayer de proposer d'autres choses aussi dingues comme ça sur la page. Vous allez voir, on va essayer de révolutionner le business. Alors Supernova avec Rise, avec My Rise Company, Inch'Allah. Alors merci à Olivier Roland d'être venu pour ces trucs, ça s'est fait un peu comme ça. Merci à Fahad d'être venu et de nous avoir fait un accueil de dingue pour expliquer son concept. Donc épisode terminé, prochain épisode sur Copy Comic. Est-ce qu'il faut plagier des fois pour un peu créer? On va en parler dans le prochain épisode. Je dois juste raconter un truc, c'est que j'ai été chez un coiffeur, il m'a rasé la tête, il m'a complètement massacré. Donc j'étais obligé de mettre une casquette, mais j'avais que la casquette de Rabi, polygame. Le problème que ça pose, c'était que derrière, il y a Olivier qui est venu me regarder et qui m'a dit « Qu'est-ce qui se passe Samir ?» C'est quoi cette casquette polygame? Et donc ça, c'est à cause de la casquette de...